Lorsque vous utilisez des produits éclaircissants et qu'à un moment donné vous vous retrouvez avec différentes couleurs aux mêmes endroits, par exemple ces différentes couleurs peuvent se retrouver sur le visage, sur le corps, sur les pieds ou les mains. Attention, ici je parle des démarcations comme des plaques ou bien des différentes couleurs. Je ne parle pas des zones rebelles comme les mains, les pieds, le coude ou les genoux, parce que là le traitement sera à part. Ici, je parle de manière générale, une démarcation de couleur ou une différence de couleur qui se retrouve au même endroit. Donc, cette démarcation, ça s'appelle la scission de couleur, parce que votre teint se divise en plusieurs couleurs au même endroit. Alors, comment partir de la scission de couleur au teint uniforme? Vous allez remarquer que malgré cette scission de couleur, votre peau n'est pas forcément fragile ou irritée, tout simplement parce que votre peau est simplement peut-être très sensible, ou alors ne supporte pas les produits que vous avez utilisés, ou tout simplement le produit que vous avez utilisé n'était pas de bonne qualité. La première des choses, c'est arrêter l'utilisation des produits que vous avez. Et vous devez avoir en tête que, malgré que vous voulez un teint uniforme, vous devez commencer par une correction de la peau. Mais cette correction de la peau peut vous permettre de garder votre teint, ou alors de continuer l'éclaircissement de la peau, mais cette fois sans danger. Dans ce cadre, je vous suggère cette composition, un lait 55, une glycérine de 55 de préférence, toujours l'huile à la vitamine E, également un sérum de 55. Pourquoi? Parce que les produits 55, comme vous le savez déjà, ce sont des produits réparateurs. Aussi, vous allez utiliser son sérum parce que dans ce cas-ci, vous avez des taches parfois ou des démarcations de couleurs, c'est-à-dire cette scission de couleurs. Comprenez bien, ce sont des différentes couleurs qui se forment au même endroit. Alors pour les uniformiser, vous aurez besoin d'un sérum pour essayer d'enlever plus efficacement les taches. Le sérum va venir booster le lait. Ensuite, vous avez besoin d'un émollient comme la glycérine qui permet d'adoucir et de relaxer la peau. L'huile à la vitamine E, comme vous le savez déjà, calme, adoucit la peau et en même temps la nourrit. Donc cette gamme, elle vous permet en même temps de corriger votre peau, de l'uniformiser, mais aussi en même temps de récupérer une peau qui est déjà en phase d'être très abîmée, c'est-à-dire de partir de la scission de couleur à un teint plus uniforme. Et vous pouvez utiliser ce produit avec le savon glutathione, mais évitez le savon gommant ou alors tout simplement le gommage du corps. Vous pouvez trouver sur la barre de description des liens qui vous permettent de commander directement ce produit ou de trouver d'autres liens qui vous permettent de trouver d'autres produits dont vous pouvez avoir besoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.